Salam alaikum, hello, hola, marhaba bik dans cette nouvelle vidéo spéciale phrase en darija marocain. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble facilement à exprimer qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose. Donc, ça va aller de je déteste à j'aime à la folie quelque chose. Ok? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment exprimer ses préférences en darija marocain, c'est-à-dire comment dire que je n'aime, que je déteste, que je n'aime pas du tout, que je n'aime pas, que j'aime un peu, que j'aime beaucoup, que j'aime passionnément, que j'aime à la folie quelque chose, eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence tout de suite. En fait, je vais me baser sur la petite expression qu'on a en français quand on prend une pâquerette et puis qu'on enlève les pétales. Donc c'est très romantique, hein. Quand tu dis j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Donc moi, c'est un peu sur ça que je vais me baser. Donc je vais commencer en exprimant je déteste et ainsi de suite jusqu'à arriver à j'aime à la folie quelque chose, d'accord? Alors tout d'abord, je déteste en darija marocain, comment on dit ça? Je déteste, on dit kenkra, 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 je déteste. Alors par exemple, kenkra nifaq, kenkra nifaq, kenkra nifaq, je déteste l'hypocrisie. Ensuite, je n'aime pas. Je n'aime pas, on va dire ma ki ajbnish. Ma ki ajbnish. Ma ki ajbnish. Donc ça c'est quand on parle d'une chose au masculin. Donc tu parles de quelque chose au masculin, donc tu vas dire ma ki ajbnish. Si c'est une chose au féminin, tu vas dire ma ket ajbnish. Ma ket ajbnish. Ma ket ajbnish. Donc par exemple, maquillage bnish lift. Maquillage bnish lift. Je n'aime pas le navet. Maquillage bnish lift. Ensuite, j'aime un peu. On va dire kiage bni chouya. Kiage bni chouya. Kiage bni chouya. Donc j'aime un peu. Donc là, pour le féminin, tu vas dire kataj bni chouya. Katajbni chouya. Donc par exemple, tu pourras dire l'kahwa katajbni chouya. L'kahwa katajbni chouya. Ou bien katajbni chouya l'kahwa. Katajbni chouya l'kahwa. Donc tu peux, selon ce que tu souhaites, soit précéder le nom, soit précéder le verbe. Et donc là, l'kahwa, c'est un nom féminin. Du coup, tu vas dire katajbni. Pourquoi? Parce que le nom auquel ça renvoie est féminin. Si c'était masculin, tu vas dire kiajbni chouya. D'accord? J'aime. Donc j'aime tout simplement. Tu vas dire kiajbni, kiajbni, katajbni. Kiajbni, katajbni. Donc par exemple, katajbni shems. Katajbni shems, j'aime le soleil. Le soleil en darija, c'est du féminin. Donc tu vas dire katajbni shems. Ou bien shemsh. Certains disent shems avec un S. D'autres disent shemsh avec un CH à la fin. Si tu veux dire j'aime quelqu'un, tu vas dire kenbri, kenbri, kenbri. Et après tu mets le nom de la personne. Par exemple, kenbri rajli, j'aime mon mari. D'accord? Et pour dire je t'aime, tu dis kenbrik, 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 ça veut dire je t'aime. Ensuite, j'aime beaucoup, tu vas dire kiajbni bzef, kiajbni bzef. Kiajbni bzef, si c'est du, si le nom auquel ça renvoie est masculin, si c'est un nom féminin, tu vas dire katajbni bzef. Katajbni bzef. Tu peux dire aussi azizalia. Azizalia,
C'est-à-dire, c'est cher à mon cœur, j'aime beaucoup. Aziz Aliya. Donc, par exemple, Aziz Aliya, le Maghreb. Aziz Aliya, le Maghreb. J'aime beaucoup le Maroc. Ensuite, j'aime passionnément. J'aime passionnément, donc, bon, là, c'est, on va dire, j'aurais pu ne pas le faire, ça, ce côté-là, parce que ça, c'est un peu comme j'aime beaucoup. Mais dans ce cas-là, tu peux dire, qui ai-je béni, bzef, bzef. Qui ai-je béni, bzef, bzef. C'est-à-dire, tu vas dire deux fois bzef, bzef, ça veut dire beaucoup. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Kajbni bzef bzef. Si c'est un nom féminin, tu vas dire Katajbni bzef bzef. Ou bien tu peux dire aussi Aziz Aliya bzef. Aziz Aliya bzef. Donc tu rajoutes bzef, c'est-à-dire beaucoup. D'accord? Donc par exemple, Agadir Katajbni bzef bzef. Agadir Katajbni bzef bzef. C'est-à-dire Agadir, donc la ville d'Agadir, me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Me plaît, on va dire, passionnément, mais bon. Là, c'est plutôt, ça, vraiment, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et enfin, j'aime à la folie. J'aime à la folie quelque chose. Donc là, tu vas dire kan hmaq ala. Et après, tu vas dire la chose que t'aimes à la folie. Kan hmaq ala. Kan hmaq ala. C'est-à-dire, je suis fou, je suis folle de. Donc, par exemple, tu peux dire kan hmaq ala shklat. Ken hmaq ala shklat. Ken hmaq ala shklat. C'est-à-dire, j'aime à la folie le chocolat. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le chocolat. D'accord? Ken hmaq ala shklat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est une vidéo que vous m'avez demandé. Donc, bah écoute, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas à me la poser. Je te remercie beaucoup pour ton attention. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Maroc et moi. Bslama, bye bye.